Le premier livre entièrement consacré à la pyramide fut publié en 1970, début 1970. Il s'intitule « Falicon, pyramide templière » de Maurice Guingamp, édité par l'auteur. C'est un petit livre avec de belles photos qui a fait du bruit. Qui a fait du bruit parce qu'une pyramide templière, on n'avait jamais vu ça. On n'a jamais vu ça depuis. Et c'est incroyable, c'est formidable. Donc, il faut lire son livre. Il faut lire son livre, il faut être bien accroché. Au début du livre, il nous explique qu'il faut, prendre un double décimètre, il faut vérifier tous les chiffres que j'avance. Et il faut aussi être rompu aux arcanes de l'hermétisme et du symbolisme pour bien comprendre ce que je vais vous expliquer. Alors, bon, peut-être que je n'étais pas assez armé quand je l'ai lu. Donc ses arguments, c'est donc lui avance une date précise aux alentours de 1260, les Templiers revenus de croisade, et il parle plus précisément de Templiers malades, possiblement atteints de la lèpre, qui se rendent à la grotte pour bénéficier de ses effluves curatives et qui, dans ce lieu retiré du monde, qui décide de construire une pyramide pour augmenter cet effet curatif. Ensuite, il nous présente des signes gravés dans la pierre qui, pour lui, sont des... Il voit des croix templières et toute une série de calculs difficiles à suivre, parfois qui apparaissent faux. Après, Il a quand même beaucoup de talent, il a aidé certains passages, on a l'impression d'un roman d'apprentissage, on y croit, mais il n'y a aucun document, aucune preuve réelle de ce qu'il avance. En fait, son postulat de base, c'est de dire que la pyramide a été orientée par rapport au solstice d'hiver. Donc avec ça, il remonte par rapport à la précision des équinoxes qui l'amène à la date de 1260. J'ai un ami qu'il avait rencontré et il lui avait expliqué ça. Il a dit ah non, mais je suis sûr que la pyramide a été construite et orientée de cette manière. Donc un certain nombre de gens ont été convaincus par ce livre et beaucoup d'autres ne l'ont pas été. Toujours est-il que c'est dans ces années 70-75, on s'est beaucoup intéressé à la pyramide. Mais Henri Brock a sorti son livre en 1976, La mystérieuse pyramide de Falicon, où il critique vivement Guingamp. Cependant, il attire notre attention sur un détail intéressant. C'est que Durbeck, qui est la référence dans la région sur les Templiers et leurs possessions,
lorsqu'il parle des possessions du secteur de Nice, on cite 7 ou 8, dont un endroit qui s'appelle Boukam Nigram, qu'on n'a jamais véritablement réussi à localiser. Boukam Nigram pouvant être traduit par bouche noire, ce qui peut faire penser à la grotte. Mais on n'a jamais réussi à aller beaucoup plus loin. Après, un autre détail intéressant, c'est qu'une de ces possessions templières se trouve à quelques kilomètres de là, place Fontaine du Temple, et que l'eau de la Fontaine du Temple provient d'un aqueduc qui prend son origine tout près du secteur de la pyramide. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Il y a plusieurs romans qui reprennent ce thème, qui nous disent les Templiers ont construit la pyramide. Et il y a un auteur italien, Michele Allegri, assez récent, qui a publié plusieurs articles et même un e-book intéressant qui lui a été totalement convaincu. Pour lui, c'est clair, les Templiers connaissaient la pyramide et l'ont peut-être construite, connaissaient le lieu, mais pour moi, il ne produit pas de preuves vraiment solides.